Les mers sont plus dangereuses. Maintenant, qu'Athènes et Sparte sont à couteau tiré. Il nous faut des recrues pour renforcer l'équipage. Je sais par où commencer. Le meilleur archer que je connaisse. Il nous serait très utile. Et on peut le rencontrer? Eh bien, il va falloir que tu le persuades. Qu'est-ce que tu veux dire? Fais-le monter à bord, et moi je lui parlerai. Quelques drachmes faciliteront les choses. Donc si j'ai bien compris, il faut que je l'assomme. Non, non. Enfin, peut-être l'amadouer un peu. Ensuite, tu l'amènes à bord afin qu'on puisse discuter. Tout se passera bien, je t'assure. Voilà l'île. Tu vas devoir faire attention.
envoyer une carrosse pour connaître le lieu. Il repérera ma cible. Voilà ma cible. Piste. Je ne vois pas ce... Mais vite, la crétin. Vous trouvez ce chien. J'ai un navire. Rejoins mon équipage et découvre la liberté. Ce sera une bonne recrue pour l'équipage. Bien. Cet homme fera une recrue de choix. Est-ce que ça suffira? Ne t'en fais pas. Nous aurons des tas d'occasions de recruter des gens par la suite. Quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin. Nous devrions voguer vers Megaris. Une longue traversée peut être agréable, mais les nôtres sont parfois agités. Si tu veux un peu d'animation, mon tableau d'affichage est là-bas. J'y note tout ce qui peut être intéressant. Pour un capitaine audacieux. J'étais pris pour être utile. La guerre a transformé le monde. On n'a pas affaire à des Spartiates ou des Athéniens, ce sont des bandits et des pirates. Et je nous garde. Les Athéniens, ils ont bloqué l'entrée de la baie. Maintenant!
Spartiates préparent un assaut final afin de chasser les Athéniens de la région. Des choses à remonter près d'ici. Voyez, comme ce chien athénien de Périclès vous craint. Il reste terré dans son Parthénon, entouré de dramaturges et de sophistes. Il n'ose pas vous affronter avec honneur sur le champ de bataille. Il connaît votre force. Il sait que les jours d'Athènes en Mégaris sont comptés. Et il sait que le tour d'Athènes approche. Toi, tu as vaincu le blocus athénien ? Ils étaient sur ma route. Sparte te remercie. Tyché t'a béni, jeune fille. Tu es arrivé à temps pour voir mon père remporter une grande victoire. Tu ne peux pas être son fils. On m'a dit que ses enfants étaient morts à Sparte il y a longtemps. Il m'a recueilli et adopté, après la perte de sa famille naturelle. Je l'honore chaque jour, de toute mon âme. Parfois la vie réserve des surprises. Et l'histoire emprunte des chemins étranges, au-delà de la volonté des hommes. Parle comme si tu y avais assisté. Peut-être bien. Sornette, tu es trop jeune pour avoir assisté à ce genre de choses. Et oublions le passé, parlons de l'avenir. Que vient faire une mercenaire dans une guerre pour laquelle on ne l'a pas engagée ? Dis-moi la véritable raison de ta présence ici. Je n'ai pas de temps à perdre. Aider Sparte est un honneur. Je suis venu offrir mon épée au loup de Sparte. Si tu tiens à servir mon père, je t'invite à me rejoindre. Je me prêterai main forte. La flotte a été détruite. Mais Mégaris demeure entre les mains d'Athènes, avant de livrer bataille à l'ennemi et de le renvoyer chez lui. Nous devons l'affaiblir. Ton père, qui est-il au juste ? Nikolaos, le loup de Sparte. Mes capacités l'ont impressionné quand j'étais enfant. Il m'a pris sous son aile. Il m'a formé lui-même. Et plus tard, il m'a adopté. C'est mon père et mon mentor. Je veux qu'il soit fier de moi. Assurément, les Mystios ont dû entendre parler de lui. Seulement des rumeurs. Je doute qu'elles lui rendent justice. C'est un grand guerrier, un général meilleur encore. Je le suivrai jusqu'au royaume d'Hadès. Comment se déroule cette guerre ? Le blocus athénien était une tentative désespérée d'arrêter notre avancée en Mégaris. Désormais,
Nous pouvons nous préparer à les chasser de cette région. Nos éclaireurs recherchent des cibles majeures en vue de l'assaut à venir. Sous les ordres du loup, nous ne pouvons pas perdre. Pourquoi as-tu besoin d'une mercenaire pour une telle mission? Tu n'as pas l'air de manquer de soldats. Ce n'est pas une question de troupes. Les habitants sont nos alliés. Nous ne voulons pas engager de soldats sans être certains de remporter la victoire. Mes éclaireurs sont à la recherche de cibles majeures à attaquer. Si tu me paies, je t'aiderai à chasser les Athéniens de Mégaris. Les mercenaires. Tu n'as ni honneur, ni sens du devoir. Mais je préfère te savoir avec nous que chez l'ennemi. Les Athéniens ont déjà un mercenaire à leur service. Ils n'ont pas besoin d'aide. Si nous parvenons à attirer le chef athénien et à le tuer, nous écraserons ses forces sur le champ de bataille et les renverrons à Athènes. Détruisons son ravitaillement, volons son trésor de guerre, éliminons ses meilleures troupes, et il sera vulnérable. Prends ceci et montre-le à mes éclaireurs. Si tu les vois sur le champ de bataille, demande-leur ce qu'ils ont trouvé. Ils risquent aussi d'avoir besoin de tes talents. Où est le chef des Athéniens? Il est à Mégara, où il se cache derrière des murailles de pierre, entouré de soldats. Mais si tu élimines ses troupes, détruis son ravitaillement et voles ses richesses, il sera vulnérable. Quel ravitaillement faut-il détruire? Tout ce qui est utile aux Athéniens. Cherche des caisses d'approvisionnement et d'armes. Tu peux commencer par le port de Nisaïa, dans la vallée du roi Lélex. C'est là qu'arrive leur ravitaillement dans la région. Ce coffre que je dois voler, pourquoi est-il si important? Une armée, ce sont des hommes qu'il faut payer. Sans argent, ils perdront l'envie de mourir pour les ambitions de leur chef. Les Athéniens conservent leur trésor sous bonne garde, dans un fort, au pied des monts Géranéa. Je crois savoir ce que je dois faire. Rappelle-toi que chaque soldat athénien que tu tueras nous rapprochera de la victoire. Et une fois que j'aurai mis les Athéniens à genoux pour Sparte, je rencontrerai Nikolaos, où je m'occuperai de toi. Bien. Envoie tous ces chiens et sophistes d'Athènes au royaume d'Hadès. Triomphe, Mystios, et le loup veillera personnellement à ta récompense. Je veux approcher du loup. Je vais devoir aider Stentor à vaincre les Athéniens. Bon, ne perdons pas de temps. Avance. Voilà ce que je cherche.
sûrement là que les Athéniens gardent leur trésor de guerre. Icaros peut m'aider à trouver ce que je cherche. Pas chez toi. Je dois m'emparer du trésor et repartir discrètement. Les soldats athéniens auront moins envie de se battre si on ne les fait pas. Ah!
s'est passé? Devra se faire moins présent. Reviens pas avant d'avoir la tablette. Oui, Polémarque. Tu as perdu quelque chose? Pas perdu, mais volé. C'est Stentor qui m'envoie. Il a parlé d'ennui avec des espions. Je préfère un espion athénien à un traître spartiate. Dans tous les cas, il faut le trouver. Il a pris une tablette portant des informations cruciales. Où est cet espion? Toujours dans le campement? Si je le savais, je me passerais de toi. Je doute qu'il soit encore là. Mais il n'a pas pu aller loin. Il a été blessé quand il a tué le garde. Quel qu'il soit, il paiera pour avoir trahi Sparte. Mystios, si cet homme est un Spartiate, fais-le souffrir avant de le tuer. Ta tablette te sera rendue, et le coupable sera puni. Tu sais de quel côté il est parti ? Mes hommes disent qu'il est parti vers la colline, là où il est plus difficile de le poursuivre. Tu as des informations qui pourraient m'aider? La région est âprement disputée, mais Sparte domine. Nous repoussons Athènes. Mais avec la guerre, les forêts et les montagnes sont devenus des nids de bandits et de mercenaires. Non, à propos de l'endroit où il a pu aller. Il est blessé, et il y a une source dans la forêt. À sa place, c'est là que je serais allé. Je reviendrai bientôt avec ta tablette. Les montagnes et les forêts de Mégaris sont dangereuses, et il n'a sûrement pas agi seul. Je suis parfaitement capable de m'occuper de ton espion, Kéré. Ah !
clé. Hey. C'est le voleur. Je suis celle qui va rapporter la tablette. Que tu as volé. Pourquoi as-tu volé cette tablette? On m'a payé pour le faire. Qui t'a payé? Un mercenaire, Hyrcanos. Il m'a donné un uniforme spartiate et m'a dit où chercher. Un travail facile. Comment es-tu entré dans le camp? Les spartiates ne soupçonnent jamais les leurs. Ils sont trop occupés à nous mépriser, Malakès. Donne-la-moi. Je ne partirai pas sans elle. À la guerre, il n'y a pas de vainqueur. Mais il y a des occasions. On pourrait peut-être s'arranger. Donne-moi la tablette, ou je te mets en pièces. Je suis trop faible. Tiens, prends la tablette. Je dois rapporter cette tablette au commandant.
Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi ça? Quelqu'un? Ah oui? Si j'avais fait ça, j'aurais eu au moins le bon. Ouais, passe comme ça, un peu. Ouais, c'est Stentor qui m'envoie. Stentor, oui. Contrôle Pégara. Dieu plus près. Ils ne sont plus rus. M. Mart, oui. Connard. Mais en dehors. Tu en as encore. Ça va venir. Je devrais m'approcher pour savoir ce qui est arrivé. Ce sont ces métiers qui ont été massacrés. Axe le bandit. La cargaison a disparu. Et une trotte j'arrive. Apparemment, ils sont allés par là, dans la forêt. Il n'y a plus rien à trouver. Je devrais aller faire mon rapport. Alors, c'était des Athéniens? J'ai trouvé des fragments d'un cristal vert. Des bandits, alors? La guerre les rend insolents, et ces montagnes ne manquent pas de grottes. Si c'était des Athéniens, ils auraient utilisé les chariots pour le transport. Et des bandits n'auraient eu aucune chance face à des soldats spartiates. Alors, à ton avis? Je me demande. Les coupables sont entrés dans la forêt. Autant commencer par chercher là-bas. Les voilà! Quelqu'un cuisine près d'ici. C'est une fête privée où tout le monde est invité. Comment? Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, va-t'en! Vous n'avez pas l'air de meurtrier? Quelle erreur ont commise les Spartiates? Quoi? Non! Attends! S'il te plaît, tu ne comprends pas! Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Tout ça me paraît très clair. Pitié! Laisse-moi plaider notre cause! Tu ferais mieux de rendre les vivres. Et de me dire pourquoi je ne dois pas vous tuer. Je t'en prie. Je vais te dire ce que tu veux savoir. Vous
Vous n'êtes qu'une minable bande de voleurs. Par les dieux, non! Nous vivons à Megara. Cette guerre nous a déjà valu tant de malheurs. Je t'en prie, accorde-nous ta pitié. Comme vous avez eu pitié des soldats spartiates. On a seulement pris des vivres. Saïr Kanos qui nous a donné la permission de les prendre. Il a dit qu'il nous faciliterait les choses. Hyrcanos? Oui, le mercenaire. Il a promis qu'il nous aiderait, qu'il nous fournirait des vivres, et que les Athéniens ne laisseraient pas le peuple mourir de faim. Expliquez-vous. S'attirer la colère des Spartiates n'est pas une bonne idée. Je t'en prie, nous ne sommes pas des voleurs. C'est le fruit de notre travail, ce sont nos récoltes. Ils l'ont pris sans rien nous laisser. Nos enfants meurent de faim. Et le meurtre, c'est votre vengeance? Quel bel exemple pour vos enfants. Non, non, je t'assure, crois-moi. Nous n'avons fait de mal à personne. Amistios nous a dit où trouver les vivres. Ils étaient déjà tous morts. Ça suffit. Je ne suis pas là pour écouter des discours. Il est trop tard pour discuter. Je veux savoir qui est derrière ce crime contre Sparte. Écartez-vous, et je vous laisserai la vie. Je vais rapporter ces vivres aux Spartiates. Pour ça, il faudra nous passer sur le corps. Ne sois pas stupide. Prenez quelques vivres, de quoi tenir un moment. Je dirai que je vous ai tué et je rapporterai le reste. Ça leur suffira. Et nos familles? Que vont-elles manger? Si vous mourrez, vos familles vont mourir aussi. Alors acceptez mon offre et arrêtez de voler. La prochaine fois, vous aurez affaire à quelqu'un de moins gentil. D'accord, Mistios. Merci. Allez, prenez ce que vous pouvez et partons. Vite! Dieu soit loué, ils n'ont pas cherché à se battre. Je n'avais pas très envie de tuer des gens affamés. Est-ce que tu as trouvé les coupables? J'ai trouvé tes vivres. Et un groupe d'habitants affamés. Et tes hommes les avaient volés. Ces gens mouraient de faim. Nous avions besoin de ces vivres pour les troupes et pour chasser les Athéniens de Megara. Des habitants affamés ne sont pas un problème. Mais il y a autre chose. Tu as entendu parler d'un mercenaire du nom d'Hyrcanos? Hyrcanos? Oui, à en croire les rumeurs, il travaille pour les Athéniens. Eh bien, c'est lui le coupable. Ah ça, les mercenaires sont des gens tenaces. Tu as bien agi, mais si tu tiens réellement à aider Sparte, j'ai une tâche à te confier. Qu'est-ce que tu as en tête? Traque-le. Montre-lui que Sparte ne laissera aucun mercenaire contrecarrer ses projets. Si c'est ce que tu penses des mercenaires, pourquoi m'envoyer? Pardon, mais ce Hyrcanos est une véritable épine dans notre pied. Il menace tous les Spartiates qui sont ici. Tu veux bien nous aider? Je vais m'en occuper. S'il est si gênant, j'imagine que la récompense est de taille. Bien sûr! Pense à tout ce qu'il aura sur lui, à toutes les drachmes qu'il a reçues d'Athènes pour nous nuire. Tu dois avoir raison. D'après toi, par où dois-je commencer? Il peut être n'importe où, mais je dirais près des Athéniens. Nous avons envoyé plusieurs patrouilles, mais elles ne sont pas rentrées. Je n'ai plus d'hommes à envoyer pour l'instant. Parfois, il vaut mieux envoyer une femme. Thank you.
Mieux vaut se méfier. L'endroit est... C'est sûrement le campement d'Irkut. Je devrais peut-être traquer plus de mercenaires. Megara, la capitale. Si le chef est quelque part, ce sera là. Vous êtes trop fondé à mon face. Halt! Cet endroit n'est pas pour toi. L'endroit est fortement surveillé. Je dois rester prête. Irkanos, le mercenaire, est mort. Sparte te remercie, Mystios. Et ma récompense? Nous n'avons pas conclu de contrat.
C'est toi qui t'es lancé dans cette aventure. Mais sache que Sparte t'est reconnaissante. Parfait. Éviter qu'on me voie ici. Ah.
veux qu'on se souvienne de moi. Il faut que je parte d'ici. Cassandra, je ne t'avais pas revue depuis que tu m'as emmenée voir les ruines d'Ulysse. Odessa, tu t'en souviens? Comment aurais-je oublié? Tu m'as dit de mener ma propre vie, sans me préoccuper de la grandeur d'autrui. On dirait que tu as suivi mon conseil. J'ai dû prendre soin de mon père malade. Alors non, je n'ai pas eu le loisir de mener la vie dont je rêvais. Je rencontre beaucoup de gens, mais je dois dire que c'est vraiment toi la plus belle. Oh, c'est vrai? Eh bien, tes paroles chassent un peu mes soucis. Il paraît que je suis douée pour distraire les gens. Et je suis sûre que tu as un lit à l'intérieur. Tu ne perds pas de temps, toi, n'est-ce pas? Il y a mieux à faire avec le temps que de le perdre. Ça, je n'en doute pas. Ça t'intéresse? Oh, j'aimerais beaucoup. Mais je dois d'abord trouver plusieurs choses pour mon père. Si tu m'aidais, nous pourrions peut-être continuer cette conversation. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il te faut? Quelques herbes de la vallée du roi Lélex, près d'ici. Ainsi qu'une décoction à laquelle mélanger les herbes. Un marchand me la met de côté au marché. Ton père doit être vraiment souffrant pour que tu ne puisses pas y aller. Je suis sa seule enfant. Je préfère rester, au cas où son état empirerait. Tu sais de quoi souffre ton père? Non, et son état ne s'arrange jamais. En tout cas, la décoction et les herbes apaisent ses souffrances. S'il meurt, tout ce domaine t'appartiendra, non? Oui, mais je le vendrai. Quelle meilleure raison aurais-je de tout laisser derrière moi et de vivre ma propre distance? Mégaris, la ville des cochons. Le marchand doit être celui dont a parlé Odessa. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos familles. Les meilleures marchandises qui soient. J'ai même des choses pour les mercenaires comme toi. Odessa m'envoie. Oh, mais bien sûr, je l'adore. Et ça m'aurait fait plaisir de la voir. C'est pour son père, j'imagine. Donne-moi la somme et tu auras sa commande. Tiens, voilà. Les ventes rapides, c'est ce que je préfère. J'espère que ça aidera Odessa. Ah!
ont des indices sur eux? Ces hommes sont au service du dirigeant de Megaris. Apparemment, Odessa leur a causé des ennuis. On convoite aussi le domaine de son père. Les herbes et la décoction n'ont rien? Tu les as, n'est-ce pas? C'est tout ce qui t'inquiète? On vient de nous attaquer! Tu dois avoir l'habitude. La contrée regorge de bandits. Que contient la lettre que tu as lue? C'est à toi qu'on en voulait, à toi seul. Pas à moi. Je n'en reviens pas. Apparemment, c'est lié au domaine de ton père. Ils veulent probablement vous en chasser pour se l'approprier. J'aurais pu mourir sans avoir eu l'occasion de me faire un nom. Tout le monde m'aurait oublié. Personne n'abîmera ce visage. Sans douleur, pas de gloire. Si tu m'emmenais à l'intérieur pour me faire souffrir un peu... Oh, j'adorerais, crois-moi. Mais cette nouvelle... Et quelqu'un cherche à me tuer, après tout. Comment peux-tu penser au plaisir dans une situation pareille? Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant? Eh bien, il faut agir. Crois ce que tu veux, mais je peux te montrer la vérité. J'ai juste besoin de ton aide. Ça ne m'étonne pas. Je te le dirai si je te l'accorde. J'ai été si... Tu es prête à apprendre toute la vérité sur ces événements? Bien sûr. Je le savais. Tu penses que ces gens m'en veulent, et tu as raison. Mais j'aimerais en avoir la preuve. La vérité apparaît toujours. C'est vrai. Et alors, je pourrais suivre les traces d'Ulysse. Tant que tu chercheras à atteindre la gloire, ton nom restera dans les mémoires. Peut-être qu'on mentionnera aussi ton nom dans les chants qu'on écrira sur moi. Si on veut découvrir la vérité, il nous faut un indice. Et le message que tu as trouvé, celui du dirigeant de Megaris, il prépare quelque chose. S'il existe une preuve qu'il t'en veut, elle sera chez lui. Je peux aller voir. Tu ferais ça pour moi? Je trouverai cette preuve. Bien. J'aimerais en finir avec tout ça. Tu as une idée de ce que je dois chercher? Cet homme est le plus puissant de Megaris. Je ne peux l'accuser que si je détiens la preuve qu'il veut se débarrasser de moi. En supposant que je trouve ce que tu cherches. Ensuite? Ensuite, j'en parlerai à tout le monde. Le dirigeant ne pourra rien contre mon père et moi quand on connaîtra ses projets. Je vais revenir avec la preuve, quelle qu'elle soit. Je dois aller chez ce dirigeant pour en savoir plus. Doucement. C'est là. S'il existe une preuve, c'est ici que je la trouverai. Je vais devoir être prudente. L'endroit est bien gardé. Cette lettre parle du domaine d'Odessa et de la nécessité de s'en emparer. Par tous les moyens nécessaires. L'un des prétendants d'Odessa est mort mystérieusement peu après l'avoir rencontré. Je
Le dirigeant de Megaris voulait pousser Odessa à épouser quelqu'un. Un moyen idéal pour s'emparer du domaine de son père. D'après cette lettre, Odessa a engagé d'autres mercenaires. Je me demande pourquoi. Je crois que j'en ai assez appris. Il faut que je retourne voir Odessa. Dirigeant de Megaris convoite le domaine d'Odessa. Il a tenté d'arranger un mariage pour s'en emparer à la mort de son père. Mais d'après ses lettres, un de ses prétendants a été tué sans que l'on sache comment. On sait pourtant qu'elle a engagé d'autres mercenaires. Te revoilà. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. J'ignore encore si elles sont bonnes. J'ai trouvé deux preuves indiquant qu'on veut t'éliminer. Parfait. Et pour quelle raison ? L'une d'elles est la richesse de ta famille, l'autre est liée à un mariage arrangé. Il y a maintenant de quoi prouver que je suis la victime. Tu as engagé d'autres mercenaires ? Oh, pour de petites choses ici et là. Qui n'a jamais eu besoin de mercenaires, après tout ? Un homme que tu devais épouser a connu une fin brutale. Il a probablement été tué par ceux qui en veulent à ma vie. Avec tout ce que j'ai trouvé... Je sais ce qui se passe. Ah, et c'est quoi ? Tu ne mérites rien de tout ça. Tu essaies simplement de vivre ta vie. Naturellement ! Je n'ai rien fait de mal ! Je veux simplement que mon père aille mieux et entamer ma propre odyssée. En attendant, on pourrait s'amuser un peu. J'aime beaucoup tes avances. Dis-moi, qu'est-ce qui doit me faire chavirer cette fois ? Tu pourras le découvrir en me déshabillant. Je peux faire ça. Il y avait de quoi me faire m'évanouir. Je te l'avais dit. Bon, eh bien... Je crois qu'il n'y a plus rien à faire maintenant. Pourquoi nous dire adieu ? Tu pourrais rejoindre mon équipage ? Eh bien, tu m'as toujours soutenue, et ce serait agréable de partir d'ici. Excellente nouvelle. Et ton père ? Il se sent beaucoup mieux, grâce à toi. Tu n'as pas peur qu'on s'attaque à lui ? Je vais transmettre les informations que tu as trouvées. Tant que nous les détiendrons, il ne craindra rien. Alors je te souhaite la bienvenue à bord. Allez.
Mes chefs de guerre sont satisfaits, mercenaires. Quelle nouvelle apportes-tu? Le chef Athénia est mort. Mégaris est sur le point de tomber. Bien. Le loup a donné l'ordre d'attaquer. Je suis content, Mystios, que tu te joignes à notre marche vers la gloire. Il est temps de porter le combat chez les Athéniens. Oui, il est temps qu'ils ressentent la colère de Sparte. Allons, Cléos attend. Toi, tu lis dans mes pensées. Nous allons gagner, pour le loup et pour Sparte. Viens, nous devons rejoindre le campement avancé. D'accord, je suis prête. Suis-moi, nous devons nous préparer en vue de la bataille. Bon, parle-moi du loup. C'est un grand homme. Il mènera Sparte à la victoire contre les... Non, non, dis-moi quel genre d'homme, quel genre de père il est. Il force l'admiration. Fort, bienveillant à sa manière. Et parfois, je... Oui ? Rien, mais... Son regard se perd parfois dans la brume de ses souvenirs, agissant comme de la tristesse. C'est le chef militaire de Sparte, mais c'est aussi un homme de chair et de sang. Et la vie apporte son lot de regrets. Ça va être différent des combats auxquels j'ai pris part. Tu es prête à écraser les Athéniens ? Je suis prête à me battre. Les Athéniens chez Hadès.
Le loup réclame la présence de la mercenaire. Annonce-lui que nous arrivons. Je regrette, mais il veut voir la mercenaire seule. Quoi ? J'ai dit que le général... J'ai bien entendu, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne discute pas ses ordres. Très bien. Apparemment, d'autres devoirs m'attendent. Tu t'es bien battu aujourd'hui. Rose mercenaire. Ne fais pas attendre le loup. Nous y voilà. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Meurtrière ! La traîtresse. Elle l'a tué ! Ainsi, c'est toi qui nous as apporté la victoire. Donne-moi ton nom, héroïne, afin que je puisse t'accueillir en vraie guerrière. Kéré, père. Cela faisait longtemps. Impossible. Je t'ai vu tomber. Je ne suis pas tombée. Tu m'as jeté vers ma mort. J'ai accompli ce qui était mon devoir de Spartiate. Et j'ai enfoui ce souvenir. Tu dois en faire autant. Tu étais mon père. Ton devoir était de me protéger. Tu étais téméraire. Tu m'y as contraint. Je ne faisais que protéger mon frère. À ta place. L'oracle avait déclaré qu'Alexios devait mourir. Sa parole est sans appel. Tu le sais. Non, il est trop tard. Tu ne peux plus te cacher derrière ton sens du devoir. Changer le passé, Kasma. Je vivrai et mourrai en Spartiate. Tu savais qu'on offre une grosse récompense à celui qui tranchera la tête du loup. Et c'est pour ça que tu es là. Tu as trop longtemps fui le passé. Il est temps que tu paies pour ce que tu as fait. Mille fois la mort. Mais la vengeance n'a rien d'honorable. Tu dois affronter les fantômes du passé, père. Et c'est un sort bien pire que la mort. J'ai manqué à mon devoir. Je n'ai pas su te protéger. Vous protéger. Je t'ai aimé autant que ton frère. Comme si tu étais à moi. Mais ça n'a jamais été le cas. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est une question que tu devras poser à ta mère. Attends. Retrouve ta mère. La retrouver ? Myrine ou qu'elle soit, on sait beaucoup plus que moi. Où vas-tu aller ? Chercher mon honneur. Méfie-toi des serpents dans les herbes. Il faut que je parte d'ici. Je dois retourner voir Barnabas.
tuer ton père ? Beau père. Oh, j'imagine que les dieux pardonnent plus facilement un beau parricide. Nikolaos m'a élevé et formé. Il sera toujours mon père, même s'il a tenté de me tuer. Et c'est mieux ou c'est pire ? Peu importe, après tout. J'ai connu des familles bien plus compliquées que la tienne. Merci. Je suis contente de t'avoir avec moi, Barnabas. Et moi, je suis content d'être là. Tu as besoin d'autre chose ? Trouver ma mère. Elle est en vie, Barnabas. Du moins, c'est ce que pensait Nikolaos. Parera, pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Où est-ce qu'on va, capitaine ? Dans l'immédiat, à Phokis. Elpenor a dit qu'il m'y retrouverait. Il me doit de l'argent et une explication. Bien, Cassandra. Et profitons-en pour interroger la Pythie. Si quelqu'un a des réponses à t'offrir, c'est l'oracle de Delphes. Je vais y réfléchir. Bien. Tu sais, des souverains vont à Phokis consulter la Pythie. Elle peut déclencher ou arrêter des guerres. On dit même que... Oui, je sais. Assez parlé de l'oracle pour l'instant. Au travail, alors. Tu sais où trouver Elpenor, j'imagine ? Il vit au débarcadère des pèlerins. Mais la dernière chose que Nikolaos m'a dite a été de me méfier des serpents de désert. Je crois que tu ferais bien de te préparer avec soin. C'est surtout à Elpenor de se préparer. Retrouve-moi au temple d'Apollon, à Delphes, quand tu en auras fini avec tes serpents. Elpenor va devoir s'expliquer. Les dieux sont avec nous aujourd'hui, Cassandra. La mer est calme et le vent est chaud. C'est splendide. Oui, ma belle. Tu peux le dire. Sortez les avirons ! Réduisez l'allure ! Attention ! Le capitaine quitte la barre ! Des ennuis ?
Oh, ça, je n'en manque pas. Déjà l'oracle, ensuite la mer, et je ne te parle pas de mon équipage. Tu es en affaire avec l'oracle ? Tu es loin de Delphes, pourtant. Je l'étais, oui. Et mes affaires ne te regardent pas. Je n'ai que faire d'une mystios. Les seuls à pouvoir m'aider, ce sont les dieux. Tu veux un dieu ? Alors je devrais faire l'affaire. Tu es amusant. C'est pas mal du tout, je le reconnais. Bon, qui es-tu ? Capitaine Gallon, du Dent de Requin. Le Dent de Requin est ton bateau ? J'ai l'air d'un abruti de pêcheur. C'est un navire, pas un bateau. C'était juste une question. Je suis là pour t'aider. Oh, ce n'est pas ta faute. Après mon affaire avec l'oracle, je suis venu retrouver mon navire. C'était hier, et je ne sais pas où il est passé. Alors comme ça, tu es allé consulter l'oracle ? Elle ? Sûrement pas. Je préférerais consulter la crotte d'une chèvre. Dans ce cas, pourquoi aller la voir ? On avait un accord. Bah, je peux t'en parler, j'imagine. Elle me dit d'où viennent les pèlerins. Ensuite, je me charge de les transporter et on partage les bénéfices. Tu voudrais me faire croire que l'oracle a l'intuition divine de la provenance des pèlerins ? Mais non. Elle demande à ses fidèles si le port d'où ils viennent est rempli. Et elle me le dit. Tu vois, c'est simple. Tu fais des affaires ici, en Phokis ? Je fais des affaires partout, moi. Enfin, quand je saurai où est mon navire. Alors, où est le Dent de Requin ? Tu crois vraiment que je serais encore ici si je le savais ? D'accord, je recommence. Où devais-tu retrouver ton équipage ? J'ai envoyé Geeker, ma compagne. Il arrive que des pèlerins restent coincés dans les hauts fonds et... on les aide. Oh, ta compagne ? Oui, ma meilleure recrue. Et bien plus encore. Écoute, retrouve mon navire et ma Geeker, d'accord ? Je te paierai. Je vais découvrir ce qui s'est passé et te les ramener. Tu sais où ils ont pu aller ? On gagne bien sur la côte sud-est. Il y a une jolie crique où on peut piéger de riches pèlerins perdus. Tu es une pirate ? Et quand bien même ! Je suis la pirate qui te paie. Et puis, je ne fais pas tout le temps ça. C'est plutôt pour passer le temps. Passer le temps ? Tu es sûr que ton équipage ne s'est pas mutiné ? Pas avec ma Geeker à la barre. Et l'équipage n'a pas reçu sa part du dernier voyage. Il ne serait pas parti sans avoir été payé. Décris-moi Geeker. Oh, elle est belle, ça. Des baisers chauds comme l'été. Dès que je l'ai vue, j'ai eu envie de la manger toute crue. Ce n'est pas très utile. Ah, d'accord. Elle a les cheveux noirs comme la nuit et un brassard précieux que je lui ai donné. Elle le porte toujours. Je vais les retrouver et te les ramener au plus vite. Qu'ils aillent se faire voir. Les dieux, les oracles, les par-dessus tous les pirates. Oh, Mystios. Comment était Mégaris ? Le loup est mort. Excellent. Voilà ton paiement, comme convenu. Tu t'attendais à ce que j'ergote ? Allons, Cassandra.
n'est pas tous les jours que je pousse quelqu'un à tuer son père. Sauf qu'il n'était pas ton vrai père, n'est-ce pas ? Comment savais-tu que Nikolaos était mon beau-père ? J'aime le théâtre, comme tous les arts. Un grand général jetant ses enfants d'une falaise sur une sentence de l'oracle. C'est une tragédie éternelle. Tu prends ma vie pour un divertissement ? Oh non, ma chère. Pour une œuvre d'art. Je sais, ça fait beaucoup de choses à la fois. Viens. Dis-moi, Mystios, est-ce que tu as appris quelque chose d'utile auprès du loup ? J'en ai assez dit. Je ferai mieux de te tuer. Quel tempérament. Il te disait pourtant différente, mais le sang ne ment pas, j'imagine. Qui ça, il ? Et quel sang ? Tu as décidément plus de muscles que de cervelle. Dommage. J'aurais pu faire appel à toi pour d'autres. Malaka, tu crois pouvoir t'amuser avec moi ? Je vais t'arracher la langue. Tu me déçois beaucoup. D'examiner sa maison. Une lettre pour Elpenor. Oh, Phoebe, tu l'as conduit jusqu'à moi. Elpenor recherche une femme. Je me demande qui il veut manipuler. C'est un manifeste de navire. Elpenor vend des armes à Athènes et à Sparte. Il a intérêt à ce que cette guerre s'éternise. J'en ai rencontré des traîtres, mais aucun d'aussi perfide qu'Elpenor. Je vais soulever chaque pierre et fouiller toutes les ombres. Je trouverai et tuerai ce serpent. La garde sera vigilante ici.
vais t'avoir.
Allez! Allez. Avance. Allez. C'est bien le dent de requin, ou plutôt ce qu'il en reste. On dirait que les requins ont dévoré tout l'équipage. Correspond à la description du brassard de Guiquet. Mieux de partir d'ici.
quelqu'un ici! Quoi encore? Je perds la tête, moi. Il faut que je sache d'où ça vient. Tu ne repartiras pas d'ici! Il faut que je prévienne Galen. Thank you.
J'ai trouvé ton navire. Et donc ? Allez, où est-ce qu'ils sont ? Où est Magike ? Je ne sais vraiment pas comment t'annoncer ça. Malaka ! Zeus aurait le temps d'engrosser toutes les femmes d'Athènes avant que tu dises quelque chose. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont morts, d'accord ? Et tu n'as plus de navire. Oh, Magike ! Je n'ai retrouvé que son brassard. Magike. J'imagine que je ne suis plus capitaine. Sans navire, il n'y a pas de capitaine. Je peux t'offrir une place dans mon équipage. Je sais que ce n'est pas la même chose qu'avoir son propre navire, mais tu auras une famille. Mmh. Être en mer sera toujours mieux que de rester avec ces dévots. Marché conclu. Jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. Bien sûr. Bien. Dis-moi, où est ton bateau ? Navire. Il s'appelle la Drestia. Comme tu voudras, capitaine. Laos m'a parlé de serpents dans les herbes. Je ne m'attendais pas à ça. Thank you.
Le sanctuaire de Delphes. Les dieux eux-mêmes veillent sur cet endroit. Cassandra, c'est splendide, non? Je peux sentir la présence des dieux et toute l'affection d'Apollon. Et alors, avec Elpenor? Je te le dirai plus tard en privé. Qui est-ce? Oh, un simple pèlerin. Il vient de voir l'oracle. Je lui ai demandé si elle était aussi imposante qu'on le raconte. Et alors? Elle l'est? Je l'ai quittée avec plus de questions que de réponses. C'est comme ça, un oracle. Tu n'as pas menti. C'est bien la lance de Leonidas. Oui, j'ai un peu parlé de toi. J'aimerais que tu fasses preuve d'un peu plus de discrétion. Il avait l'air de s'intéresser aux légendes, comme toi. Je me suis dit que vous pourriez vous entendre. Mais comment ? Tu reconnais ma lance d'un simple regard? Tu n'es pas qu'un simple pèlerin, n'est-ce pas? Les apparences sont trompeuses, Adelph. Même la mienne. Je m'appelle Hérodote. Je suis un conteur. Du moins, je l'étais. Cette guerre nous pousse à changer de métier. Je suis plutôt d'accord. Mais pourquoi caches-tu ton identité? Je représente quelqu'un, un Athénien, un homme très puissant. Nous voulons mettre fin à cette guerre. Tu m'as dit que tu venais poser une question personnelle à l'oracle. La guerre est personnelle, Barnabas. Alors, tu es venu demander à la Pythie des conseils pour arrêter cette guerre? Oui, mais il se passe des choses étranges à Delphes. Des gardes partout. Gens que l'on chasse. Tu n'as pas l'air d'avoir confiance en la Pythie. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je lui ai demandé comment mettre fin à la guerre. Elle a répondu : le printemps ne doit pas souhaiter l'hiver, car il apporte la mort. Quelle sagesse! Moi, j'y comprends absolument rien, mais c'est pour ça qu'elle est là-bas et que moi, je suis ici. Je pense plutôt que c'est une menace. Tu as vécu trop longtemps à Kefalonia. Cette file est grotesque. Il y a toujours autant de gens qui veulent voir la Pythie. Ce ne sont pas de simples gens. Chaque cité envoie ses ambassadeurs sacrés demander conseil au nom de sa population. La Pythie ne guide pas seulement le destin des individus, mais celui de tout le monde grec. Imagine le pouvoir que détiendrait celui qui lui dicterait ses paroles. C'est Apollon qui les lui dicte. Mais oui, c'est ça. Delphes ne ressemble pas à ce qu'on m'avait décrit. Elle a toujours été comme ça? Bien sûr que non. C'était autrefois un endroit des plus accueillants. Mais par les temps qui courent, avec les guerres, les gens consultent la Pythie pour des motifs plus politiques. En temps de guerre, les prophéties suscitent des réactions brutales. Mieux vaut laisser vos lames dans leur fourreau. Verser le sang à Delphes est une insulte à Apollon. Le châtiment est sévère. J'ai moi aussi des questions pour la Pythie. Et quand je vois cette file, j'aurai des cheveux blancs quand je la verrai. Tu plaisantes! Avec toutes tes armes, rien ne te résiste! Je ne suis pas venu créer des ennuis.
des ennuis? Vas-y, c'est tout. Qui va t'arrêter? Le prêtre? Très bien. Mais si les choses tournent mal, ce sera ta faute, Barnabas. Elle est bien comme je l'avais décrite, non? Je viens voir la pitié. Seuls ceux qui ont reçu la lumière d'Apollon peuvent entrer. Comment fait-on pour la recevoir? On fait la queue, comme tout le monde. J'ai l'air de quelqu'un qui fait la queue. Entre dans la lumière d'Apollon, la lumière qui éclaire les ombres. Choisis bien ta question, mortel, car tu n'en poseras qu'une. Cherche la vérité. Je suis à la recherche de mon père, mon vrai père. Qui est-ce? C'est toi, celle des visions, l'enfant sur la montagne. Comment peux-tu savoir ça? Tu dois partir. Vite. Partir? Tu sais tout ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Oh, je le sais. Je t'ai vu feindre l'ignorance à Chaosos. Tu as laissé un mal inconnu te dicter ton choix. Des innocents sont morts par ta faute. Mais comment? Nul ne peut se cacher de la lumière. Je t'en prie. Je viens de loin. Tu dois avoir les réponses que je cherche. Enfant de la montagne, le culte de Cosmos a des yeux partout. Il va te tuer. Culte de Cosmos? L'oracle a parlé! La prophétie t'appartient! Tu n'as pas répondu à ma question. La pitié va se retirer. Je ne partirai pas sans réponse. Ah. Hérodote, tu es toujours là? Où est Barnabas? Il a regagné votre navire. Tu sembles mécontente de ta prophétie. Elle savait qui je suis. C'est la pitié. Il est normal qu'elle prétende te connaître. Non, c'était vrai. Elle a dit qu'elle m'avait vu enfant sur une montagne. Quel enfant n'est pas allé sur une montagne? On m'y a jeté de cette montagne. Ma vie a commencé et s'est achevée là-bas, je te le dis. Elle savait qui je suis. Elle a cherché à m'avertir. À t'avertir? De quoi? Elle a parlé du culte de Cosmos. Tu en as déjà entendu parler? De vagues rumeurs. Un culte différent des autres qui viendrait à Delphes? Je n'ai pas prêté attention. La pitié semblait en avoir peur. Les gardes l'ont emmené. Ils l'ont emmené? Alors les rumeurs étaient vraies. Si ce culte a corrompu la pitié, c'est une nouvelle épouvantable. Tu comprends ce que ça veut dire? À travers elle, ce culte dirige le monde. Il faut que je la voie quand elle est moins entourée. Ça réclamerait une intervention divine. Elle est toujours entourée de gardes. Tu en sais plus que moi sur la pitié. Où est-ce qu'elle peut être? Quand elle n'est pas au temple d'Apollon, elle est chez elle, dans la Cora de Delphes. Je ne peux pas briser toutes les portes pour la retrouver. La maison de l'oracle doit être facile à trouver. Elle est sûrement la seule habitante de la Cora de Delphes à vivre dans le luxe. À quel endroit de la Cora de Delphes vit la pitié? On dit qu'elle habite en bordure du village. Mais méfie-toi, il y aura des gardes. Tous ceux qui veulent voir la pitié ne sont pas animés des meilleures intentions. Je vais trouver où habite la pitié. Et j'aurai mes réponses. Rappelle-toi, Cassandra, quand la finesse s'impose, mieux vaut savoir oublier la force. Thank you.
L'oracle se cache à l'intérieur. Je vais enfin obtenir des réponses. Ça, on peut dire que la Pythie est bien protégée. Pour la finesse.
Je ne suis pas venue te faire de mal, mais je veux des réponses. L'appétit est l'instrument sacré des dieux. On vient de très loin me poser des questions. Personne n'a jamais osé envahir ma maison. La colère d'Apollon sera rapide et cruelle. Garde ! Assez de mensonges. Dis-moi ce que je veux savoir. Je ne peux pas respirer. Si tu élèves la voix, ou si tu me mens, je te tranche la gorge. Je suis déjà morte. Ils sauront que tu es venue ici. Et ils me tueront pour ça. Qui ? Le culte de Cosmos ? Parle ! Oui, le culte veut ta mort. Il sait que tu es ici. C'est quoi ce culte de Cosmos ? Ils sont les yeux qui voient sans être vus. Arrête avec tes énigmes. Je veux des noms. Je n'en ai pas, je te le jure. Ils se cachent derrière des masques et des voiles. Pourquoi travailles-tu pour ce culte ? Je n'ai pas le choix. Alors, toutes les prophéties divines que tu livres sont des mensonges pour lesquels on te paie ? La plupart s'intéressent à l'amour ou à la mort. Je leur dis ce qu'ils veulent entendre. Mais quand les questions portent sur la politique ou la guerre, le culte me paie cher pour transmettre ces messages. Tu dis m'avoir vu dans tes visions. Qu'est-ce que tu as vu ? Il y a un artefact sous le temple d'Apollon. Il révèle ce que les dieux seuls devraient savoir. Tu m'as appelé l'enfant de la montagne. Le culte traque un enfant de Sparte qui a survécu à une terrible chute du mont Taygetos. L'artefact a dévoilé qu'il s'agissait de toi. Tu as l'occasion de faire ce qui est juste. Dis-moi où je peux trouver ce culte. Dépêche-toi de parler, ou on ira le chercher ensemble. Il y a une très vieille salle sous le temple d'Apollon. Je crois que c'est là qu'ils se réunissent. Mais sans masque et sans cape, n'espère pas y entrer. Où peut-on trouver un masque et une cape ? Un homme vient me rendre visite de temps en temps. Il s'assure que je ne manque de rien. J'ai la plus grande maison de la Cora de Delphes. Mais il continue à me payer. Je le trouve effrayant. Quel est son nom ? Elpenor. Elpenor ? Il fait partie du culte ? Je n'en suis pas sûre, mais si c'est le cas, il détient sûrement ce que tu cherches. Et tu sais où je peux le trouver ? Il y a un fort, au sud de la vallée de la Nymphe. On dit qu'il mène des affaires là-bas. Merci infiniment. Maintenant, sors de chez moi ! Faut que j'annonce à Hérodote ce que m'a dit la Pythie sur le culte. Qui sait, il aura peut-être une idée. Alors, qu'a dit la Pythie ? Le culte de Cosmos me cherche. Mais je serai la première à le trouver. Elle m'a dit qu'ils se réunissaient dans une salle secrète, sous le temple d'Apollon. Alors tout est vrai. Si le culte a réussi quelque chose, c'est à me berner. Je ne peux pas entrer sans masque et sans cap. C'est à cela qu'ils reconnaissent leurs membres. Le temple d'Apollon est près de la grotte de Gaïa. C'est assez facile à trouver. Mais le masque et la cape d'un adepte, comment comptes-tu faire ? La Pythie m'a fourni l'indice dont j'avais besoin. Je te retrouverai au temple quand je serai prête. En attendant, je vais aller tuer ce chien menteur d'Elpenor.